Alors, première vidéo sur les bâtons courts. Donc, les bâtons courts, ça marche par deux. Ceux-ci sont 70 cm de long à peu près, ce qui permet d'avoir une manipulation facile et un retour sur le bras où on a de la place. Le bâton court, effectivement, se tient comme ceci, avec les mains ouvertes et les doigts ici viennent fermer au moment des frappes et rouvrir pendant les manipulations. Donc, c'est bien. La main ici qui dirige, au creux du pouce et de l'index. Je peux bouger à ma guise et je ne ferme que lorsque je veux frapper. Donc pour commencer, on va voir les axes de frappe. On va les voir sans enrouler. Les axes de frappe, vous avez l'axe tête, on revient, tête, on revient. Lève-cul, je reviens, côte, côte, genou, genou. Clavicule, côte, côte, genou, genou, remontant, en remontant.